Bonjour YouTube, je suis Sébastien et dans cette vidéo, on va voir comment changer les essuie-glaces, surtout le arrière, c'est le plus compliqué, sur une série 3 break de 2009. Donc l'essuie-glace arrière, il est là, hein. On ne peut pas le lever entièrement, sauf si on force un peu, et c'est normal de devoir forcer un peu. Et ensuite, il suffit, alors à deux mains, mais à une main, je vais y arriver, de faire levier vers le bas. Et on décroche ces deux petits ergots qui sont ce qu'il tient en place. Et il va comme ça, donc avec la partie longue vers l'arrière. Essuie-glace de remplacement, en l'occurrence, c'est un Bosch. Voilà la référence à 340H, mais vous les trouvez partout de toute façon. Et il faut arriver à le réaligner. Alors, il faut que j'arrive à vous le montrer, c'est pas facile. Hop. Ici, dans ces deux petites lignes-là, donc à l'aveugle et à l'envers. C'est pas facile à l'envers. Est-ce qu'on ferait pas pour YouTube, hein ? Je pense que je suis pas mal. Voilà, je suis dedans. Donc mon essuie-glace est maintenant remonté et une petite pression et il revient sur la fenêtre. Et voilà un essuie-glace neuf. Et maintenant, je vais aller faire les avant. Donc à l'avant, l'avantage, c'est qu'on peut beaucoup plus lever les essuie-glaces, hein, on peut les verrouiller, lever. Donc c'est intéressant, j'avais jamais vu ça en fait, on le pivote à 90 degrés complètement et on peut le sortir de son axe. Donc voilà, ce qui veut dire que les nouveaux Valeo qui sont attachés ensemble pour compliquer ma vie. Donc pour enlever l'essuie-glace avant, on le pivote comme pour l'enlever du pare-brise. Et on le glisse sur son axe. Encore une fois, c'est beaucoup plus facile à deux mains. Hein. Hop. Et on prend le nouveau, donc le Valeo, il y a un grand trou et un petit trou, hein, on ne peut pas se tromper. Le petit trou ne sert à rien, et le grand trou est celui qui va sur l'axe. Voilà. Comme ceci. Et quand il est fermé, le deuxième bosselage l'empêche de sortir de son emplacement. Hop là, voilà, essuie-glace neuf à l'avant, à l'arrière, tout simplement, prêt pour l'hiver. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé et vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis, si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.